Alors les gars, je vais vous dire un truc. Le problème, c'est que c'est bien comme ça. Regardez, ma caméra, elle est bien ou pas, hein? Oh, toi, t'es rentré chez toi, Transport Max, enfin, t'as eu de la batterie, hein? Voilà, j'ai un truc dans ma tête et j'ai. Et là, ça tient tout seul. Je peux filmer les trains. Regardez, je peux l'enlever. Et là, tu peux voir les trains plus facilement. Regardez, je suis vraiment, c'est vraiment grand. Regardez, la caméra, elle est vraiment basse. C'est-à-dire, je peux zoomer. Regardez, je peux zoomer de ouf. C'est archi bien. Moi, je vous conseille d'acheter Redmi 9, hein. Et moi, j'ai, vous savez, j'ai transformé mon Redmi 9 en iPhone. Mais parce que j'aime pas Android. Android, c'est dégueulasse. Et j'aime pas. Alors, je l'ai mis en 0,6 fois. C'est-à-dire, la caméra, elle est ici, où il y a mon doigt. Si je le mets là, il est là. Ici. Alors, est-ce qu'il y a un train? En plus, je vais charger mon téléphone parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Mon téléphone n'a plus de batterie. Les gars, alerte, alerte, réseau de haine, alerte, réseau de haine sur la voie de. Parce que peut-être les travaux ont été finis. Et là, nous avons un réseau de haine en UM3. Pourquoi? J'ai pas dit un gros klaxon! Je vais me faire niquer! Putain, je vais me faire niquer! Mais non! Il a fait un gros klaxon! Les gars, je vais me faire niquer, c'est bon. Il a fait un gros klaxon, ça a pété tout le monde. Oh là là! Il a fait un gros klaxon que j'ai jamais eu. Putain, je suis dans la merde, les gars. Il a fait un gros klaxon de sa mère. Mais non! Vous avez entendu le réseau de haine? Il a fait un gros klaxon que j'ai jamais eu. En plus, son klaxon, il était bien. Je vais me faire défoncer là, je vous jure. Entendu le réseau de haine? Réseau de haine? Il a fait un gros klaxon sur la voie 2. Non, sur la voie 1 M. Je suis choqué. C'est un truc de ouf. C'est choqué. Je suis choqué. Réseau de haine, t'as fait un klaxon sur la voie 1 M. Il pouvait pas aller sur. Parce qu'il pouvait pas aller sur la voie 1. Je crois. Une, ouais. Parce que il y avait déjà le TGV. Et déjà le réseau de haine est passé avant le TGV. Je suis choqué. Ah, c'est bon, il a réveillé tout le monde. J'ai réveillé tout le monde. Oh, je suis fatigué avec le train là, j'en peux plus. 150. Oh là là, 20 800. Goussainville. J'ai mal au ventre. Oh, un petit défaut aussi. 20 minutes. Ah, il a klaxonné. Ça, vous savez, c'est quoi ça? Oui, c'est un
Non, c'est un. Ah oui, bravo! Oh, c'est un corail! Oh, bah c'est bien! Il a quel âge? Il a même pas 4 ans. Wesh! Il a... C'est un corail! Ah oui, il a dit c'est un corail! Appel de phare. Au revoir, madame! Regardez madame, il y a un TGV encore. Et en plus il y a un TGV bleu. Et regardez, TGV bleu derrière. Ah, il a fermé la fenêtre, yes. C'est cool hein. Ah, qu'est-ce que j'aime bien les klaxons des TGV. Ah, les corbeaux, faisaient grave, vous allez tomber, hein. Si vous touchez les... Ah non, c'est vrai, je me demandais, est-ce que quand les pigeons ou les corbeaux, ils peuvent se tenir sur le truc vert, mais par exemple, s'ils touchent les fils noirs, je crois que c'est ça, ah, ils peuvent mourir, hein. Mais là, ça va, ils peuvent pas mourir, là. C'est trop cool. Ah, une fois, on dit ketchup mayo, ketchup moutarde ou fraise vanille. C'est plus simple. Oui, on peut dire ketchup mayo, ketchup moutarde ou fraise vanille, c'est plus simple. L'air, regardez, imagine, c'est le même. Eh ouais, c'est moi. Est-ce que tu me reconnais ou pas? Eh oui, il m'a reconnu. On n'est pas bien là? Et en plus. Dans les TGV Ouigo, c'est les plus propres que les TGV Inouï ou Lyria. Peut-être Lyria aussi, mais moi j'aime bien beaucoup les TGV Ouigo parce que c'est les plus propres. Mais en tout cas, c'est les plus chers. Avec leurs billets là. Tu veux t'acheter un billet, ça coûte plus cher pour aller de A à B. Par exemple, je crois que ce train, j'ai jamais pris les TGV Ouigo. Mais j'ai pris que les TGV bleus. Et les TGV Inouï, Océan, un truc comme ça, tu vois. Et après, j'ai pris des trains pour aller... Je crois que j'ai fait beaucoup de fois que des trains de Paris-Gare de Lyon pour aller à Montpellier ou à Strasbourg, tout ça. Et pour aller aussi moi à Bordeaux, j'ai pris que Paris-Montparnasse. Après... Tous les trains qui vont à Strasbourg et à Montpellier, bah j'ai pris les trains de Paris-Gare de Lyon. Voilà. En plus là on a une. Ah, avec les lumières LED. La 20697. 99D. Ouais, il est occupé sur son vola. Du volaille. Non, je rigole. Il était occupé. Alors ça c'est transilien et dans celle-là on n'a pas d'hybride. Parce que je pense que dans les... Si on a la 05D, je crois qu'elle n'a pas d'hybride. Oh, on a la 20688. 94D. Un TGV. Merci. Le Trasaco 05D. On a la 05D les gars. On a eu la 05D. Oh c'est splendide. Les gars, on a eu la 05D avec la 123D 20545. Oh.
trop bon. Venez, on va le faire. Les gars, TGV inouï. Là, en avant, en transition. Faut faire vite. Sinon, il va klaxonner après. Merci. Bah, il m'a fait un coucou. La 189D. Oh, fait chier. Allez. Toi, c'est une quoi? C'est une 20718. 80... Ah non, c'est la 59D. Merci, gros port. C'est la combien? Ah, la 20637 69D. Merci. Allez, on a encore un TGV. Ces phares qui sont pas allumés. Merci. Waouh. Ça va être pensé. Le TGV, en théorie, il avait un klaxon d'un bus. Il avait un klaxon d'un bus. Un truc comme ça. Le soleil est revenu. On a fait un coucou. Il avait un problème de moteur, lui. En plus, c'était joué tellement, ils sont grands. Oh là, ça pue les toilettes, ça pue. Ils savent pas laver les toilettes, hein. On a la 20643-72D avec le monsieur qui est très gentil. Alors, je sais pas, il était tranquille comme ça. Oh, il y en a un défaut celle-là. Sur les toits. On a la 26061-81D. On a un corail, comme Maxime a dit, c'est un corail avec une bébé nez cassé. Parce que moi je disais tout le temps c'est une béton, mais non, c'est, ça s'appelle nez cassé. Le nez est cassé, oui. Et je sais pas pourquoi il roule doucement. Alors je pense que ce corail va à Bercy. Yip, j'ai pas. Ah oui, alors c'est une quoi? C'est 1239. Bizarre qu'il roule. Il roule pas vite. Un corail. En plus, il est grand. Il y a toutes les affaires derrière. Un peu bizarre.
Le vent que je me suis pris, hein, c'est nul. Hein. Nul à chier. Une hybride. La 54D 20607. Et je pense que les gars... Oh, mais il y a deux TGV. Non. Lequel? Wouah là, qu'est-ce qui m'a pété les oreilles. Oh là. Oh my god. Oh punaise. Oh là. Je l'ai filmé en plus, heureusement. Fallait que je filme le TGV. Je l'ai filmé. J'arrive. Oh, nous avons encore un train. Et on a la 20647. 174D. Regardez-moi ça, en plein phare. J'ai pas vu c'était quoi.
marche bien. U23. Regardez, je fais coucou avec ça, avec des fleurs. Avec des feuilles, je veux dire, pas des fleurs. On a réussi à récupérer le vêtement qui était là avec un bâton. D'habitude, je l'ai pris par un bâton. Il est là sur le poteau. Allez, il faut partir. Ça fait 22 minutes. Eh oh, coucou. Je fais coucou aux fleurs. On a la 20 800. Merci. Et quand il y aura le TGV, on va faire coucou. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. En plus, il y a 3 minutes. Je pense que cette vidéo sera terminée aujourd'hui. Wow. Yes, ça fait bien ça. En livret Disney Plus, wesh. Fais tiens ça, je savais. J'allais l'attendre. Je peux pas filmer les deux. Je peux pas. Je fais comme ça. Vous pouvez pas filmer les deux. C'est soit ça, soit l'autre. Je pouvais pas filmer les deux. C'est soit ça, soit l'autre. J'en ai marre des travaux. Et le chauffeur du TGV, il est en train de faire ses essuie-glaces. Il y a le bus là qui arrive, dernier train reprend pas. Allez, il faut que tu pars avant que le 217 il arrive. Allez! Je vais le rater. Dernier train. Tu pars quand le bus 217 est là.
J'y crois pas, non, il est là. C'était le dernier train et moi je vous laisse bon visionnage. Et moi je vous dis ciao.